Bonjour mes chers amis, il est arrivé quelque chose d'assez intéressant, ça serait bien de l'apprendre. Vous savez, Trump, président américain, il a déclaré comme quoi l'armée de la révolution islamique d'Iran, c'est-à-dire Pastaran, sont une armée terroriste. Après, depuis 48 heures, la totalité de comptes concernant ces gens-là, les généraux de Pastaran, sur Instagram, je ne sais pas, Facebook et tout ça, a été fermé. Et depuis, en Iran, ces gens-là, les Pastaran, ils sont en train de crier « Oh là là, démocratie, la liberté, où est partie la liberté? Pourquoi vous nous avez censurés ?» Tout ça. David Abbasi, sur Macha Avesta, il les a répondu aujourd'hui. J'ai dit moi-même, je suis un écrivain seulement. Ça fait plus de 22 ans que tous mes sites internet en Iran est censuré, est interdit et inaccessible. Le peuple iranien, il est sous la censure depuis 40 ans. Tout le monde le sait. Alors, comment ça se fait que clin d'œil sur vous, vous criez? Mais ça fait 40 ans que le peuple iranien crie. L'exemple, encore je répète, tous mes sites, moi j'ai acheté beaucoup de sites internet avec des noms assez différents pour pouvoir lancer un message vers l'Iran, mais toujours c'était censuré. Depuis 1994, ils ont commencé. Et quand vous tapez nos sites, même ici, c'est un peu Laval, un peu Saval, on peut regarder, il dit, sous l'ordre du gouvernement, ce site n'est pas accessible. Alors, comme vous-même, vous êtes en train de nous censurer depuis des dizaines d'années, maintenant qu'on vous a éjecté d'Instagram et tout ça, ils sont en train de pleurer. C'est un peu rigolo, mais c'est la vérité sur l'histoire d'un grand peuple avec 7000 ans de civilisation qui seulement puisqu'il a le pétrole, on se terre de temps en temps pour dire ce qui se passe là-bas. Et autre chose qui est très intéressante à savoir, c'est qu'en Iran, depuis 40 ans, chaque vendredi, dans toutes les prières du vendredi, en Iran, partout, dans toutes les villes, il y a un slogan. Abba Abba Israël, Abba Abba l'Amérique. Alors comment ça se fait? Tous ces progrès qui viennent de l'Occident, chaque semaine vous souhaitez leur destruction. Comment? Comment? La technologie qu'ils fabriquent, c'est bien. Les moyens publicitaires pour vous, comme Instagram, Facebook, YouTube, tout ça, c'est bien. Mais pour démagogie, chaque vendredi, vous souhaitez la destruction de d'autres pays. Un peu honte. Vous devez avoir honte. Et ici et maintenant, on doit stopper à censurer la vraie information qui vient d'Iran. Je vous embrasse.